Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guérir. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guérir. Guérir contre qui? Contre le peuple congolais? Guérir contre les sudistes? Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerrier? L'avenir d'Mbouchi. L'avenir d'Mbouchi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mbouchi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mbouchi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. L'avenir d'Mbouchi. C'est comme si l'Mbouchi était maltraité, menacé. L'Mbouchi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mbouchi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir d'Mbouchi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord et surtout pas les Mbouchi. Et que après ça souffrait, que c'est les Mbouchi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapounou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili, bref, l'avenir des sudistes? Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, c'est. Je sais comment nous sommes organisés. Vous vous êtes organisé, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée? Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mbouchi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mbouchi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires, l'équipe de Kunta Mandi, Martin Abdoulaye Miskine, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai un médecin Mbouchi. Moi, je suis Mouéné. Vous êtes aussi Mouéné. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les sagaies et les rapiers. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mbouchi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair. Tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide. Voilà pourquoi vous vous êtes inquiété. Voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand programme, projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre. L'unité du Sud est là pour, dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. L'État ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? Et c'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Sous-titrage Société Radio-Canada.
bongo te pamba Ijo kasuti ake funa Ninana, ninana, gama wa Lufoga sumanga na tsuma yoyoyo Lufoga sumanga na tsuma yoyoyo Ine kwendo kubikine na usala na ba de deux entrants et un sort, deux qui rentrent, un qui sort. C'est une politique qui s'assoit mis en place dans la bataille de Luango, dans le Kwilu. Bon, vous savez que Tibuanga Floron est venu clairement raconter plusieurs choses. On va essayer de voir si on va encore rapidement écouter ça et puis on va essayer de continuer. Je vais essayer de voir si je vais essayer de jouer ça. Voilà, donc je vais aller comme ça. Je vais essayer de faire ceci. Avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays. Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base. L'homme des assemblées, les dirigeants du pays, celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme des masses, l'homme des assemblées, les dirigeants populaires, c'est la porte de la paix de notre corps de l'Union nationale. Bon, voilà, ça c'était Florent Tibuanga, hein, Florent de Buanga. Je crois que nombreux parmi vous ont vu ce que nous avons publié sur Florent Tibuanga. Florent Tibuanga, c'est d'abord qui? Il est membre du PCT, hein, un vrai servant de PCT. Et il est le chef de quartier Luandili Faubourg. Hein, il est aussi apparemment le président du conseil des sages de Kwilu. Et il est aussi conseiller du roi Makoso IV qui venait de décéder. Donc, un membre de la cour royale. Donc, il fait partie de ces rats du royaume qui étaient sortis à nous lire un communiqué. Sur la pelouse, hein? Il nous a lu un communiqué sur la pelouse là à Luango en refusant la souveraineté du royaume de Luango qui avait été décrétée le 7 juin 2020. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France n'ayant pas été mandaté par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kwilu et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Bon, il faut dire aussi que Florent Tibuanga, il est, c'est, là vous l'avez vu
au rang de griot, hein, de griot pour le compte de Sassou et le compte du PCT. Et nous avons vu comment il a animé dans cette position-là. Bon, Florent Tibouanga, c'est aussi lui, hein, il fait partie aux côtés de Honoré Mpaka, Viodo, et les Kando, des grands organisateurs dans toutes les fraudes électorales qui se réalisent à Pointe-Noire dans le Cuilo. Comme on l'a dit, c'est l'un des rats du royaume. Bon, vous comprenez que Florent Tibouanga est du côté du roi. Hein? Ce sont eux qui ont été les conseillers du roi Makoso IV qui est décédé. Est-ce qu'un conseiller de roi, un conseiller de roi, peut tenir ce genre de discours? Parce que quand on est conseiller de roi, on est censé être un homme de sagesse, vraiment de la sagesse. Un homme qui parle dans l'inclusion, hein? Un homme qui ne rejette pas. Hein? Même s'il y a des problèmes, on va trouver des mécanismes pour régler ces problèmes. Mais là, vous avez vu Florent Tibouanga dans le rythme d'extrémiste pour dire que, bon, Sassou a été choisi par Dieu. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exclut même les autres villes qui ne veulent plus de Sassou. Hein? Il exclut tous les Congolais qui ne veulent pas de Sassou. Mais Florent Tibouanga ne pouvait pas jouer ce rôle-là, hein, sans pourtant qu'on puisse parler de ça au préavant. Hein. Ça a été en réalité une stratégie bien calculée par Sassou, le clan Nkondi Nkata, et voire même un autre clan qui s'ajoute, les Boulolo, hein, tous ces clans, pour essayer de jouer éventuellement, pour essayer de rehausser hein, en réalité leur positionnement au sein du peuple de Luango et voire même le peuple du sud du Congo. Ce que vous devez savoir, c'est que d'une manière claire, Florent Tibouanga a été simplement autorisé hein, par un autre criminel qui est Sassou. A été autorisé, il a eu l'autorisation de Sassou, il a eu à réciter hein, ce qu'il devait dire bien avant. Hein, qu'il vienne là devant les micros, parce que vous avez vu qu'il avait même l'air de quelqu'un qui a bu, hein, de quelqu'un qui a bu le Kelewele, ou il a bu le Buganda, quand il le disait. Bon, c'est comme encore, nous sommes en train de le dire, qu'il a très bien joué ce fameux rôle d'extrémiste, afin de permettre, en réalité, il a très bien joué, ce jeu, hein, il a joué à ce jeu d'extrémiste afin de permettre simplement aux criminels modérés hein, de se faire une place dans la population. Aux criminels modérés de se faire une place dans la population. Donc, les criminels modérés vont donc avoir une opportunité de sortir, hein, de sortir. Et quand ces criminels modérés vont sortir, l'objectif de leur sortie, c'est pour essayer d'amadouer les populations. Donc, vouloir emmener une forme d'accalmie au sein de la population. Vouloir calmer le peuple qui en a déjà marre de la souffrance de plusieurs années. Le peuple qu'on a maintenu dans un étau esserré. Hein, ça fait partie de la stratégie qu'ils avaient calculée. Donc, c'est ce que nous disons ici, la politique de deux qui rentrent et un qui sort. C'est-à-dire que Tibouanga là est là en train de sortir en étant cet extrémiste là, en jouant ce rôle d'extrémiste là. Il sort en public, il joue au caïd, il s'aligne carrément avec Sassou. Et d'autres criminels vont venir pour venir essayer de secourir le peuple en étant donc du côté du peuple, en montrant donc les défauts de Tibouanga. Mais en réalité, c'est le jeu d'un même système. Hein, c'est ce que nous sommes en train de dire, la politique de deux qui rentrent, deux qui sortent. Donc, d'autres brigands viennent là de rentrer pour nous dire haut et fort, Tibouanga c'est l'extrémiste, nous n'en avons pas besoin, nous voulons ici, notre peuple a trop souffert, et donc ce que tu venais de dire c'est très grave. Hein? C'est ce que vous devez comprendre, chers amis. Donc c'est simplement, on peut simplement dire, c'est un idiot, hein, un idiot affiche son idiotie en public pour permettre à un autre idiot de sortir pour paraître intelligent devant le peuple.
hein, chers amis. Donc Tibouanga a joué ce rôle d'idiot là, devant le public. Mais d'autres idiots sont sortis après pour jouer le rôle de héros devant le peuple. Hein, pour toujours dans le contexte d'essayer de nous endormir dans ce que nous appelons le nous endormir dans l'axe Luangolo-Dima. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que tous ses frères, ils sont tous, hein, tous, même ceux qui, Tibouanga, qui a joué ce rôle, et ceux qui rentrent pour jouer, essayer de jouer à la calmie, ils sont tous les frères diaboliques. Ils sont tous logés dans la même enseigne, dans les mêmes loges. C'est comme, on peut simplement dire, du Coca-Cola et du Coca-Light. Le Coca-Cola et le Coca-Light. Quand vous achetez le Coca-Cola et vous achetez le Coca-Light, les bénéfices appartiennent à qui? À Coca-Cola toujours. Oui, chers amis. Donc, on essaie de vous donner un autre goût pour ces individus, pour maintenir, dans le but de maintenir le fils Sassou Nguesso, le fils Mbossi, au pouvoir au Congo-Brazzaville. Ce qui est très important ici, hein, ce qui est très important, la question qu'on doit se poser ici, où étaient donc celles ou ceux qui sortent aujourd'hui quand le fameux, Tibouanga avait appelé à soutenir Sassou dans l'église des Zéphirins. C'est sous le rythme de la louange que la dynamique des sages du Kouilou, conduite par son président Max Toussaint Louemba, a foulé ses pas en l'église christianisme prophétique en Afrique du prophète Lassi Simon Zéphirin. Cette rencontre spirituelle et familiale n'a eu qu'un seul symbole. Sollicité au nom du député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo, l'implication massive et active des sages et des populations de Titanzi à la réélection du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de mars 2021. Je viens vers vous parce que, ensemble avec le député maire Jean-François Kondo, il nous est paru indispensable que je m'adresse en son nom à vous au regard des enjeux socio-économiques de l'heure qui ne peuvent se réaliser que par la grâce de Dieu, maître de l'univers visible et invisible. Les membres du bureau de la dynamique des sages ont mis sur le paillasson les raisons qui animent leur motivation sur le choix de Denis Sassou Nguesso. Aussi ont-ils renchéri que leur soutien en tant que fille et fils du Kouilou est conforté par la présence à ses côtés depuis toujours de son épouse, votre fille, notre sœur, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est originaire de notre département. A contrario de notre passivité, qui hier ne nous honorait pas, aujourd'hui plus que jamais, nous, population originaire du Kouilou, dans toute son entièreté, devrions nous engager à relever ce défi lors des prochaines élections présidentielles, en portant haut le flambeau de notre très chère sœur et implicitement, bien sûr, celui de notre beau Kilo. À l'image de Molière manipulant sa langue française avec les règles de l'art, l'éloquence et la pertinence du message en langue vili, langue du terroir, du deuxième vice-président Florent Tshibouanga, a porté très haut l'étendard de ce comité de pilotage mis en place le 31 octobre dernier et dont l'association Banapontan a été chargée de l'encadrement de ces sages et d'établir leur modus operandi sur le terrain. Mais c'est bon, ça, montre à vous. Le PCT, le candidat, c'est Denis Sassou Nguesso. Le RDPS, candidat, Denis Sassou Nguesso. Le maire, candidat, Denis Sassou Nguesso. Pour le Kouilou, il y a quelqu'un. Faut nous couler. Parce que nous savons que ça fait pas longtemps que ce fameux Tibouanga Florent avec, Toussaint Louemba sont partis dans l'église de Ngunza, Zéphirin, là, à Pointe-Noire. Ils ont appelé à soutenir Sassou. Ils ont appelé à protéger leur beau Kilo. Mais ces idiots qui veulent jouer le rôle d'intelligent n'avaient jamais réagi pendant cette période-là. Ils étaient tous absents pendant cette période-là. Ils ont oublié les propos de Tibouanga Florent, là même dans l'église d'Engunza, à Pointe-Noire, quand ces deux individus, Tibouanga Florent,
et éventuellement Toussaint Louemba se sont dit qu'il fallait que le Kwilu s'aligne pour protéger le pouvoir de Sassou. Tous ces gens-là n'ont jamais fait une déclaration pendant cette période. Et ça, ça faisait pas longtemps. Où étaient ces gens-là? Hein? Pourquoi seulement c'est maintenant que ces gens-là se rendent compte que, bon, Tibouanga Florent a dérouté? Comprenez là où nous sommes en train de partir. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'on vous endort. Hein? Mutini nubetu kena kutubila yao batata na ba mama na beno kena malu wangu. Beno ina kena kuwilaka beto ntango nyoso. Beno na kena landaka mambu ya beto. Fubeno kulanda mutindu beto kena kutubila beno. Beno kuzaba ti Tibouanga Florent na Yandi na Louemba Toussaint. Bameko kwena na dibundu ya bangunza kuna na Pointe Noire. Bameko tuba ti oo. Oh, Bantu ya kwilu ya malu wango, fuba kusimba, bavana na manima ya bokilo ya bao. Na kukanga kimfumu ya Yandi. Memi si beno kena bampasi, mekana si beno kukanga bakaka kuna. Na bilumu kulutaka beto kulaksaka beno ti, ya mpeleko mwana ya mombosi, keleve bokilo ya beno. Samo ti kentu ya Yandi, keleve mutu ya beno, to ya keleve mvili. Beto kulaksaka dija na bizizi kulutaka. Mentangu ina, Louemba Toussaint meko basika. Tibouanga Florent meko basika. Na kutuba ya na ngola na kata di bunda ya bangunza. Bantu mingi ya malu wangu tubaka atardi ya mwesive. Bame kunuwa ya mutindu, bame kunuwa maza, bame kukanga ya na kati ya babivumo ya bao. Bame kuzimana. Bame kutala ti malu wangu mekota malu wangu kena kuningana. Mutindo nyamba ya maza tena kunata dikande ya mkondi na ya nkata ina meku naba bulolo baina kia kusima kimfumu ya dikamba ya maluango baina kina kufuilisa beto na suda ya Kongo saba meku kanga kimfumu ya mwana ya Mumboshi baina meku tala ti maluango kina kudiyama baina meku tala ti babana ya maluango ya makilika meku telama na kunwane na maluango mutindo batata zinga ya ntete Batata makoso ya tano ba mfumu ya zole ya luangu ina meku telama na nzila ya mani makoso sikozo ba ina kena kudiata na nzila ya luangu na ludima. Kote munu mikaya pongi seto mfumu ntoto meku telama kuna na kati ya ludima na kunwana kintuari na kubaka ba ntoto ya beto ina bantu ya pampidu ba falanseme kupesa na mwana ya Mumboshi nkariapu ya mutatu mkuyu. Peuple du grand royaume de Luango souverain et insoumis. Peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, je vous salue. Je ne vous apprends rien en vous disant que, pendant 3 jours, nous avons fait face à plusieurs attaques terroristes perpétrées par le sous-préfet français du bord de la Lima et sa cohorte de malfaiteurs recrutés un peu partout. À ceux qui se sont érigés en porte-parole locaux du terrorisme, ceux-là même qui disent que le criminel Sassou est leur beau-frère, leur beau-kilo, parce que Madame Antoinette Sassou est leur sœur, je les invite à dire au peuple à quel clan appartient cette femme, quels sont ses ancêtres et où sont enterrés ses parents. J'imagine la difficulté qu'ils auront à nous répondre. Cher peuple, en usurpant pour quelques poignées de lentilles ou quelques graines de riz, la qualité de sage afin d'adresser un message de réconfort à M. Sassou Denis, le plus grand terroriste et pilleur de l'histoire de l'Afrique, M. Florent tombe comme son maître dans le faux et sous le coup du décret royal numéro 4. En effet, faire l'apologie du terrorisme est également pénalement répréhensible, surtout que cette apologie s'est faite en portant atteinte à la mémoire de nos ancêtres dont la volonté profonde était d'assurer le bonheur, la prospérité et le bien-être de leur peuple. Cher peuple du Luango souverain et insoumis, cher peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle, je venais également réitérer ici que depuis le 18 octobre 2020,
rien ne peut se faire dans le Luango souverain et insoumis sans l'aval du Collège royal, chapeauté par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tshikeya Zinga Ier. Par conséquent, tout ce à quoi nous avons assisté pendant 3 jours sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres, n'est que du cinéma, un film de mauvais goût visant à distraire le public français et occidental dont les dirigeants connaissent très bien la réalité et la vérité. Sassou Nguesso est un terroriste. Face aux terroristes, nos peuples répondront par la légitime défense qu'ils ne pourront pas qualifier de génocide. Dans les jours qui vont suivre, ou dans les semaines qui vont suivre, un décret royal portant reconduite de la diaspora du Nord à la frontière sera promulgué. Dès à présent, tous les mbochis et tous les mbochistes sont invités à quitter nos terres, à quitter les terres léguées par nos ancêtres. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unies du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unies d'Afrique. Bantlumone, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Tshikeya Zinga Ier, roi du Luango. Tango betuko na kuningisa maluango, na kunwane na maluango. Tuselwe mba. Tibuanga Florent me kutela ba me kuna kutuba na bantu ya banguza tiba kusimba bo kilo ya bao yina kelevyo bo kilo ya bao. Bantu ya maluango me kutela mave. Nina betuko na kutuba, bantu ya Luvunu, komanse kutela ma, na mayela yina ba me kujirika na mpipa, na kukanga kimfumu ya nkadampe ya mtatu mkuyu, ba komanse kukuma kusala tiba kele bantu ya beto, me bao na kuvanda bantu ya beto siki mpia. Ni kuna meno kutala bilungu yae, tangu ina, bame kuna mpipa, bame kufana kintuaji, mwana ya mombosi, kentu ya yandi ya muyombi na ya mubenina, onto ane chibota, mwana ya mombosi, nkadampe wa mutawa tumukuyu sasunge so, dikanda ya mkondi na ya nkatana ya bulolo, 1% ya bantu ya maluangu ina, kina kukanga kimfumu ya bawa, bame kusala renyo ya nene, bame kupesa, bame kuzonza, na Florent Tshibuanga tingenge kubasika ge kutuba jambu yae samge kulagisa kibakala na kutuba na bantu na maluango ti bao meko sola mwana ya mombosi yina kuzola vyani kubasika yani kuna kwa lulendo ya bao ya mpipa ha? Yina kele satana meko sola ni mwana ya mombosi ni kuna bende meko tala yani meko basika baya kaka bame tuba na bao ti ndangu yani kubasika beno ke kubaka banzonzolo bende kutula na singa ya mundele beno ke kusonika na kulakisa ti Tshibuanga Florent kusala diamu ya imbi beno kele samu na ba peuple e ina ke kunata confiance ya beno na kati ya ba peuple e ba bana ya maluangu ke kulanda ni beno me beno ke kusimba veki mfumo ya mwana ya mombosi nkadiampe mamutantu mkuyo beno kutala ya batatila mamu ni mutindu na baki na kusala. Donc, comme on l'a dit, au cours d'une grande réunion, la Raka, Nkondi, Nkata, Boulolo, tout ce clan, c'est 1% qui protège le pouvoir de Sassou dans le Kwilu par le biais de l'infiltré, l'agent Antoinette Tibota. Ils se sont réunis au cours de la nuit. On a dit à Tshibuanga Florent, c'est toi qui joueras ce rôle de caïd, et tu vas jouer à l'extrémiste. Tu sors, tu bombardes ces mots. Tu chasses ceux qui ne veulent pas soutenir le pouvoir de Sassou dans le Kwilu. Ou même au Congo. Tu dis ces paroles-là. Et ça va emmener la colère du peuple. Mais, par contre, il y aura d'autres individus qui vont se lever pour s'opposer à tes propos. Et ceux-là sortiront comme les héros. Et donc, le peuple fera confiance. Et donc, ils vont donc utiliser un certain langage d'apaisement. Et ça, ça fera que ce langage sera reçu par le peuple. Et par le même canon, ils vont infiltrer le conseil royal transitoire mis en place par les rois Tshikeya Zinga Ier et Makoso V. Et de surcroît, infiltrer Mikaya Bongi VII.
prince de l'Oudima, donc infiltré l'axe Luango-Loudima. Mais quand ces gens-là vont sortir pour rester du côté du peuple, ils ne toucheront jamais au pouvoir de Sassou. Ils n'appelleront jamais à la sortie de Sassou à cette position. Ils n'appelleront jamais les gens de Luango à se lever véritablement pour chasser Sassou. Parce que vous savez que nous avons mis en place le décret numéro 4 qui nous permettait de buter Sassou, de l'arrêter, parce qu'il est considéré comme terroriste sur les terres du sud du Congo. Et ce décret avait été signé par Tikaya Zinga Ier et Makoso V, les deux rois de Luango. Nous, dont l'axe Luango-Loudima, l'axe extension le Kinkala, nous avons accepté ce décret pour chasser le PCT, considéré comme une organisation terroriste, chasser Sassou considéré comme une terroriste, et potentiellement l'arrêter ou le buter parce qu'il est considéré comme un élément dangereux. C'est par l'acte numéro, le décret numéro 4, signé par le roi Tikaya Zinga Ier et Makoso V. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampung, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Denis sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampongo, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukulbitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Denis. Nous sous-signés, Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Denis, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Denis sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Denis sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango, sur le sol et les airs du Luango, a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Denis par tous les moyens. Fait à Château, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makoso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu.
Mais en jouant à ce jeu, c'est des individus qui ont été préparés pour s'opposer publiquement aux propos de Tibouanga Florent, l'un des membres de clan. Leur objectif, c'était d'infiltrer Tikaya Zinga Ier, Makoso 5, Mikaya Pongi, infiltrer l'unité du Sud, donc faire à ce que l'unité du Sud ne puisse pas se réaliser. C'était ça l'objectif. Voilà pourquoi vous avez vu, quand Tibouanga Florent et Toussaint Louemba ont fait cette déclaration dans cette église des Éphirins là à Pointe-Noire, ces gens-là n'étaient jamais sortis. Parce que ce n'était pas très important. Ils attendaient l'arrivée de Sassou sur les terres de Longo. Mais, et encore, ils continuent à appeler Sassou leur Bokilo. Mais vous avez déjà vu un Bokilo où un grand roi meurt et le Bokilo ne vient pas. C'est incroyable. Le Bokilo est dans le village, hein, il est dans les parages, mais le grand chef de famille de cette femme qu'on donne beaucoup de considérations, le grand chef meurt et le Bokilo ne vient pas. Bokilo n'envoie que sa femme. Mais Bokilo vient quand il s'agit seulement de son intérêt personnel. Et donc ça encore, ça démontre que ce n'est pas votre Bokilo. Il s'en fout éperdument de vous. C'est comme nous sommes en train de dire, « Ben me koutala déjà n'a dit kanda ina, mvoum ya dit kanda me koufwa. Bokilo kele na kati ya boala. Mais quand si Bokilo me koukouiza ve na matanga, na kouza koutouba na dit kanda ya kento ina, ko ntata me koufouili la. Ta koukouiza kousali sa bao, to na kouiza kou... Kwa kompanyi ba, benu mkutala jadi ambu ya mutindu ina. Yina nyoski na kula kisa tiyani keleve Bokilo ya benu. C'est donc la faillite de tous ces clans qui composent ce que nous appelons l'ancienne cour royale qui a perdu le pouvoir, notamment depuis, hein, c'est depuis le 18 octobre 2020 avec l'instauration du collège royal et l'intronisation de Tikaya Zinga Ier et Makoso 5 comme grand Luango. Donc, c'est tout ce clan-là. Hein, éventuellement, ils ont perdu le pouvoir parce que ce clan-là avait déjà joué le coup d'État au clan Bouvandi, hein, sur le trône de Rwanda de Luango. Et c'est parce que les Bouvandi jouaient au même jeu. Hein, ils n'ont pas respecté le Ngangvum, donc le dogme même royal, le partage de la richesse, s'occuper vraiment des gens du royaume. Mais eux, à leur tour, jouent au même jeu avec le pouvoir de Sassou. N'a qu'à voir les propos tenus par Florent Tibouanga. Donc en réalité, ces gens-là, ils ont perdu le pouvoir. Ils ne peuvent plus rester sur le trône de Luango. Donc c'est maintenant au peuple de Luango de chasser tous ces clans, ces faux sages qui ont montré leurs limites. Vous imaginez Florent Tibouanga aux côtés du roi. Quel est le conseil qu'il peut donner au roi? C'est simplement... la dictature, le comportement guerrier, la destruction, la misère du peuple de Luango. D'abord, na boza, meeting maluti bien. Na weso, meeting maluti bien. Na pamwa, population me salva takima. Zulubal me kubul baba tuwa. Son na zulubal, son gulep, litakuli mama, kambu sa sungeso. Les Polonais, pour les Marocains, mettre ma vie à Pont Noir, même à l'Ibéchine, ma papa, mettre la jeunesse à ma vie, mettre mes coups méchants, les salous qu'elle veut, ma fille qui est là, nous là, on n'y est pas à 100 ans, mettre mes variés, mettre mes petites promesses, Nandolo, il y a des liens de tonnerre à ma vie, vous connaissez ça, mettre ma vie, mettre la colère, quand tu adores, ça te fait. Vous pouvez absolument rien avoir avec ces individus-là, comme sages, c'est inimaginable, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Celles et ceux qui veulent donc prouver leur bonne foi doivent appeler, hein, c'est comme on le dit, doivent appeler et demander ouvertement le départ de Sassou et du PCT, voire même de Mbossi sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Vous voyez que tous ces gens qui sont sortis par les audios ou par les écrits n'appellent pas au départ de Sassou. C'est là où vous allez savoir qu'ils ne sont pas pour vous, ils ne seront jamais pour vous. Mais vous voyez, Tikaya Zinga Ier, Makoso 5 disent clairement, parlent clairement le départ de Sassou, signe de décret clair pour chasser, buter Sassou, chasser Antoinette sur les terres de l'homme. Mais ces gens-là qui sortent,
ne diront jamais Sassou dégage, le PCT dégage. Ils ne le feront jamais. C'est là où vous reconnaîtrez qu'ils ne sont pas avec vous. Qu'ils ne sont pas avec vous. Donc ça c'est une réalité que nous voulons dire au peuple congolais. Seulement, réconciliez-vous. Hein? Nous voulons dire éventuellement à tous ces individus, réconciliez-vous sincèrement avec Nzambiampo. Hein? Même au peuple congolais. Réconcilions-nous sincèrement avec Nzambiampo. Avec nos ancêtres, dont la volonté est de faire du bien. Parce que nous ne sommes que dans la lutte de faire le bien. Nous ne sommes que là pour faire le bien. Nous ne sommes pas là pour faire le mal à qui que ce soit. Notre lutte, c'est pour ramener le bien à toutes les populations au sud du Congo. Donc, nous voulons demander à ces individus-là, véritablement, de se réconcilier avec Nzambiampo et nos ancêtres, dont la volonté est de faire du bien. Si vous vous réconciliez avec Dieu, Nzambiampo et les ancêtres, il vous sera donné à voir les contours de l'âme humaine. Hein, les contours de l'âme humaine. C'est comme si nous, comme nous sommes élevés à l'étape de l'esprit, nos ancêtres et Dieu, le Tout-Puissant, nous ont donné ces contours-là, capables de discerner le bien et le mal, capables de voir spirituellement là où on a mis le Congo, comment allons-nous sortir le Congo de cette difficulté. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Parce que nous nous sommes élevés, nous avons fait confiance, nous nous sommes réconciliés avec nos ancêtres, parce que nos ancêtres ne veulent plus que nos terres soient souillées et que Dieu veut que le sang du peuple congolais, surtout le sang des sudistes, puisse s'arrêter de couler. Et c'est cette réconciliation que, par l'élévation spirituelle, il nous a donné les contours de l'âme humaine. Celles et ceux qui prêchent contre la reprise en main de la souveraineté de nos terres ancestrales militent en faveur de qui, hein? Vous voyez, chers amis, hein? Parce que nous en voyons bien qu'il y a des gens qui sont en train de prêcher contre la reprise en main de la souveraineté de nos terres. Les terres léguées par nos ancêtres, ces gens-là militent. Ces gens-là travaillent pour qui? Mais vous pouvez simplement déduire, hein, les uns pour le maintien du pouvoir de fils Mossi, le préfet de la France, que nous appelons Sassou Denis, l'ordre de la Lima, l'homme à la coiffe du diable, le nyongologue, le destructeur infatigable, on peut le dire comme ça, le bourricot, le plus grand criminel que ce pays n'a jamais connu. Il travaille pour cela. Les autres, pour remplacer le sous-préfet français du bord de la Lima, afin de continuer à agir sur les mêmes principes. Donc vous voyez que c'est ce que nous sommes en train de voir. Ceux-là qui refusent que nous puissions récupérer nos terres travaillent véritablement pour Sassou, pour protéger le Sassou, faire le deal avec Sassou. Et d'autres encore veulent simplement le remplacer pour continuer avec la même chose. Servir les intérêts étrangers et non pas les intérêts du Congo. Est-ce que nous nous refusons? Encore une fois, je réitère par ce message, si vous voulez être définitivement libre, ou si nous voulons être définitivement libre, redevenez ce que vous étiez avant la création du Congo-Brazzaville par la France ou les Occidentaux pour les intérêts ou encore les intérêts occidentaux ou les intérêts de la France. Il faut que nous revenions sur le plan de départ. Le plan de départ, c'est éventuellement ce que nous appelons la souveraineté de nos terres, parce que l'État Congo est un État mort-né qui n'a jamais existé et sous la colonisation de la France, et la France a donné au fils Mossi. Donc vous voyez, ce que nous devons dire ici, il s'agit ici de rétablir l'axe Luango-Ludima, extension Le Pôle, dans le sud du Congo, parce que nos terres ont été données aux Français par les accords coloniaux, et donc nos ancêtres avaient donné les terres pour le bien-être, pour leur bien-être, une forme de protection. Mais or, les Français qui ont récupéré les terres l'ont utilisé pour nous malmener. Ils ont finalement remis les terres à Sassou, et Sassou qui nous fracasse des vies. Et donc, nous le disons haut et fort encore,
C'est maintenant ou jamais que nous devons rétablir l'axe Luangolo-Dima, extension de pôle, la récupération des terres entre les mains des Mbossi. C'est l'unique moyen qui nous sortira de cette difficulté. C'est l'unique moyen qui donnera la souveraineté du Congo. Voilà pourquoi nous devons protéger les populations au sud du Congo. Nous devons protéger les terres au sud du Congo. Nous devons protéger les ressources naturelles au sud du Congo. Parce que c'est ça qui nous permettait d'élever nos enfants sur les terres du sud. Alors, peuple du sud, que tous ces gens qui sont sortis avec des audios pour nous endormir dans le clan Nkondi Nkata, nous vous appelons à déclarer haut et fort, fermement, de ne plus jamais voir Sassou sur les terres de Luango, de que nous puissions tous s'allier à chasser Sassou. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire la misère du peuple de Luango ou le peuple du Sud, mais il s'agit de chasser définitivement le mal, et le mal est connu, la racine du mal est connue, c'est le PCT, le mal c'est Sassou. Dites-le haut et fort, au lieu de passer par des contours qui n'ont pas de sens, qu'il s'agit de Tibouanga, Florent, de Sassou Denis et tous ceux qui nous font des audios pour nous endormir ou des équipes pour nous endormir, vous travaillez tous pour Sassou, pour des intérêts étrangers, et c'est ce qui nous maintient dans cette souffrance et dans cette difficulté. Et nous le disons haut et fort, maintenant, faites des audios pour appeler au départ de Sassou, faites des audios pour que nous puissions chasser Sassou et Antoinette Thibauta sur nos terres, chasser le PCT. C'est tout ce que nous vous demandons pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'état constitutionnel. Plus de 70 ans, on est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous, vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier... vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Franck. 2000. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche de chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Nyangambola était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon, écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. C'est passé tout à l'heure, vous disiez que vous avez, l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous le lui avez dit quand? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. En avril, peut-être qu'en avril, mai. Hein? Peut-être qu'en avril, mai, avant que, aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Mm-hmm. Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tsimbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi.